C'était élu au premier tour dimanche dernier, Philippe Mouhel était certes un peu préparé à son nouveau job de premier magistrat de Castets, dans une sorte de passation de pouvoir avec le maire sortant depuis plusieurs mois. Mais cette fois-ci, ça y est, l'heure du grand saut est arrivée. Le sentiment d'un saut élastique, un saut dans le vide, où vous vous demandez ce que vous allez faire, ce que vous faites là. Enfin, c'est vraiment une sensation bizarre. Puis après, bon, il y a le quotidien qui arrive très vite, les papiers à signer. Enfin, j'ai vu comment il faisait, il m'a montré, dès qu'il y a une question, l'histoire du post-it, etc. Les commissions, la mise en place des commissions. Donc oui, il y a tout ça qui arrive. Donc on est dans cette dynamique et finalement, le stress disparaît assez vite. J'ai fait ma première assemblée générale hier soir. Philippe Mouhel était conseiller municipal depuis 6 ans déjà, mais désormais ce cadre de la fonction publique joue le premier rôle dans sa commune auprès de ses administrés. Castésien depuis 30 ans, il a dû convaincre que la valeur et le savoir-faire n'attendent pas le nombre des années. Ça a été un inconvénient pendant un peu la campagne, hein, quand je voyais mes amis anciens de Castets qui me disaient « mais t'es pas un petit peu jeune quand même ?» Alors je disais « mais regarde autour de moi quand même, j'ai une équipe capée, qui a de l'expérience, qui a un certain âge, des gens qui sont à la retraite, qui sont disponibles pour Castets, parce que c'est une mairie qui demande des élus disponibles. » Castets compte 2000 habitants et la bagatelle de 2000 emplois, maire de nouvelle génération d'une commune en plein boom. Philippe Mouhel a prévu un chat avec ses administrés tous les 3 mois sur toutes les questions de la vie communale.